Je m'appelle Philippe Faureau, je suis maître de conférence habilité à l'université Jean Jaurès de Toulouse, et mon domaine de recherche est essentiellement l'histoire de l'Italie contemporaine, tout particulièrement l'histoire de l'Italie fasciste et de l'Italie républicaine, c'est-à-dire celle qui suit la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le 23 mars 1861, le royaume d'Italie unifié était proclamé au nom de la nation et par la grâce de Dieu, selon la formule qui avait été utilisée. Et c'est exact que ce moment de 1861 est un moment extrêmement important parce que ce pays de très grande culture qu'est l'Italie était finalement politiquement extrêmement divisé, et ceci depuis la fin de l'Empire romain. Donc pendant des siècles, l'Italie était une mosaïque d'États, ce que Metternich avait appelé une expression géographique. Voilà, c'était une expression géographique, mais elle n'avait pas de réalité politique, ou en tout cas moins que d'autres États européens. Certains historiens estiment, par exemple, que au XVIIIe siècle, ce qu'on a appelé l'Italie des Lumières, l'illuminisme, avec des États modernisateurs, avec des États qui étaient justement participants au phénomène des Lumières, je pense par exemple au Grand-Duché de Toscane, ou même au Royaume de Naples à un degré moindre, eh bien, on donnait peut-être le sentiment que la modernité passait peut-être par des rapprochements étatiques, mais ce n'est encore finalement qu'extrêmement marginal. Peut-être que la période qui accélère le processus unitaire, c'est la période française, c'est-à-dire la Révolution et l'Empire napoléonien. Avec l'arrivée des Français, en 1796, c'est la fameuse campagne d'Italie de Bonaparte, on va simplifier la carte de l'Italie. La France va faire dans un premier temps des républiques sœurs. Alors, ce sont des petites sœurs, c'est-à-dire que ce sont des... On ne discute pas d'égal à égal. La France, tout de même, gère en grande partie ses républiques. Mais il y a tout de même une simplification de la carte politique de la péninsule. Et puis ensuite, quand Bonaparte, à partir de 1800, va contrôler à nouveau la péninsule, puisque en 1799 le système français s'était effondré, il va également reprendre une simplification, puisque une bonne partie de l'Italie va devenir département français, c'est-à-dire que Turin par exemple, Pise et Rome même en 1809 deviennent des préfectures de l'Empire français. Il va également créer Royaume d'Italie. Il sera sacré roi d'Italie à Milan, et ensuite il va maintenir dans le sud de la péninsule le royaume de Naples, qu'il va confier dans un premier temps à son frère Joseph et ensuite à son beau-frère Joachim Murat. Vous voyez, on reste tout de même en famille. Et désormais, vous avez trois entités importantes en Italie, dont vous voyez, il y a eu simplification. Il y a eu simplification de la carte politique. Il y a eu sans doute aussi le développement d'un sentiment national au travers de cet épisode, un développement aussi dans une partie des élites italiennes de l'idée que, eh bien, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui était un des principes de la Révolution, pouvait s'appliquer à l'Italie. Et donc, en 1815, bien sûr, on a le sentiment que l'on revient à l'Italie d'avant la période française. Le Congrès de Vienne rétablit les dynasties régnantes avant l'arrivée des Français. La péninsule se retrouve partagée en 8 États. Mais si vous voulez, il a peut-être, je dirais, que quelque chose va germer. Quelque chose est désormais présent dans une partie des élites italiennes.
qui ont de plus en plus de difficultés à supporter finalement l'idée d'une Italie mineure, d'une Italie toujours partagée en beaucoup d'États. Au début des années 1821, à Turin, à Naples, il y a des mouvements que l'on peut qualifier de libéraux, qui réclament finalement un respect des libertés fondamentales. De même, dans les États pontificaux, au début des années 1830, il y a des soulèvements que l'on peut qualifier là aussi à la fois à visée unitaire et libérale, voyez. Et puis, il y a la grande explosion de 1848. En 1848, ce qu'on appelle le printemps des peuples, fait que l'Italie est prise dans cette tourmente révolutionnaire et qu'il y a à un moment donné, effectivement, l'espoir d'une unité de la péninsule autour de Charles-Albert de Piémont-Sardaigne, le roi de Piémont-Sardaigne, qui se présente un peu comme le héros de cette unité nationale. Ce printemps des peuples est grandement un échec. Pour des raisons d'ailleurs diverses, en Italie, ce qui est marquant, semble-t-il, c'est qu'il n'y a pas d'unité finalement entre même les promoteurs de l'unité italienne. Vous avez des républicains, vous avez des personnes qui estiment qu'il faut unifier le pays autour même de la personne du pape. Ce qui est un mythe, parce que le pape ne veut pas de l'unité, et les Autrichiens non plus. Il y a aussi l'idée que ça pourrait se faire autour de la monarchie de Piémont. Bref, il y a quand même une profonde division, y compris parmi ceux qui seraient favorables à une unité de l'Italie. Il y a l'intervention des puissances étrangères. L'Empire d'Autriche, qui était la puissance dominante dans la péninsule depuis 1815, après avoir été, je dirais, quelque peu ébranlé par le phénomène du printemps des peuples, eh bien, reprend les choses en main à la fin 1848 et en 1849. Et ne pas oublier aussi que la France participe à cette reprise en main, puisque l'autorité pontificale, l'autorité temporelle, pas spirituelle, mais l'autorité temporelle du pape est rétablie par l'armée française en juillet 1849. Donc il y a toute une série de facteurs qui expliquent l'échec. On va en tirer les leçons. Il y a en particulier un homme qui est, à mes yeux quand même, le père de l'unité, c'est le comte de Cavour. Cavour est un Piémontais qui arrive au pouvoir en 1852 comme président du conseil du roi de Piémont-Sardaigne. Et c'est un homme, je dirais, qui réfléchit à l'échec de 1848-49. Et cette réflexion va l'amener à quelques conclusions. D'abord, il va comprendre que l'unité italienne se fera avec le soutien de grandes puissances. C'est-à-dire que l'expression l'Italie se fera d'elle-même ne lui apparaît pas légitime, ne lui apparaît pas pertinente. Et c'est pour cela qu'il va obtenir la neutralité de la Grande-Bretagne et surtout l'alliance avec la France de Napoléon III. Il ne croit pas au spontanéisme révolutionnaire. Il ne croit pas que la révolution spontanée aboutira à un résultat. Il pense au contraire qu'il faut, si j'ose dire, presque planifier l'unité. Il faut la préparer à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. C'est pour ça qu'il modernise le royaume de Piémont-Sardaigne. Alors, moderniser dans les années 1850, c'est par exemple le chemin de fer. Il dote le royaume d'un réseau de chemin de fer, il modernise un port qui va devenir un port militaire, la Spezia, il aménage des routes
vers la France, parce que finalement ces routes peuvent être utiles en cas d'arrivée de troupes françaises. Bon. Et puis, dernier point, c'est que justement, ce que je soulignais tout à l'heure, la division des partisans de l'unité, il comprend qu'il faut les unifier. Il faut les unifier autour d'une société nationale qui voit le jour en 1857 et qui accepte la solution la plus pragmatique, c'est-à-dire une unité autour du roi de Piémont-Sardaigne, désormais le roi Victor Emmanuel II. Parmi les grands leaders de ce qu'on appelle le Risorgimento, c'est-à-dire le renouveau italien du premier 19e siècle, la plupart se rallient. Il y a tout de même une grande figure qui restera sur ses convictions républicaines, ce qui fait que il est à la fois, je dirais, significatif, mais il va être écarté un peu du processus unitaire, c'est Giuseppe Mazzini. Mazzini était partisan de l'unité, mais autour d'un principe d'une république italienne qui, à ce moment-là, est sans doute d'ailleurs quelque peu utopique. Donc, vous voyez que Cavour, effectivement, ce n'est pas un doux romantique, ce n'est pas quelqu'un qui s'enthousiasme facilement, mais quelqu'un qui va planifier un processus menant à l'unité. Et ce processus a lieu, et là, permettez-moi de ne pas rentrer dans tout le détail parce que cela nous prendrait beaucoup trop de temps, mais ce processus se déroule entre 1859 et 1861, jusqu'à la proclamation donc du 23 mars 1861. D'abord, il y a des limites territoriales. Venise et la Vénétie ne sont pas encore dans le giron du royaume d'Italie. De même, Rome n'est pas italienne, elle est encore sous l'autorité pontificale, en l'occurrence en la personne du pape Pie IX, et cette autorité pontificale est protégée toujours par une garnison française, hein, qui réside à Rome, et Napoléon III, qui a été favorable à un processus unitaire, ne souhaite pas tout de même que Rome échappe à l'autorité pontificale parce que l'opinion catholique française est défavorable à cette perspective. Donc il y a, jusqu'à la fin de l'Empire, une garnison qui va protéger l'autorité pontificale, si ce n'est entre 1864 et 67 où les troupes avaient été retirées pendant un temps. Donc, il faut finir territorialement l'unité. Alors, cette unité, elle est finie en 1866 pour la Vénétie, suite à une guerre où, alliée à la Prusse, l'Italie, malgré des déboires militaires, arrache la Vénétie à l'Autriche. Et puis, 1870, alors, très grand moment, le 20 septembre 1870, profitant, bien sûr, de la chute du Second Empire en France, les troupes royales italiennes entrent dans la ville éternelle, entrent dans Rome, par la Porta Pia, qui était une des portes d'entrée dans la ville. Et désormais, après Turin, après Florence, eh bien, c'est Rome qui devient la capitale du royaume. Et évidemment, c'est un moment important. C'est un moment important qui va avoir des conséquences lourdes, je vais y revenir, sur le rapport État-Église en Italie. Donc, la question territoriale, elle est non pas terminée en 1870, mais quasiment finie. Je dis quasiment finie parce que il y a finalement la question encore des territoires italophones qui se trouvent dans l'Empire d'Autriche. Je pense au Trentin, par exemple, à l'Istrie, où vous avez effectivement des populations italophones. Mais globalement, l'unité des royaumes est terminée. Nous sommes dans un pays, je n'apprends rien à personne, de tradition catholique. Avec une particularité, c'est que vous avez tout de même le souverain pontife, le pape, qui, rappelons-le, depuis 1523, est toujours un Italien. Bon, ça a changé aujourd'hui, mais à l'époque, c'est toujours un Italien. Et il est évident que la présence de l'Église est un facteur important. Or,
vous l'avez compris, une partie de l'unité s'est faite contre l'Église. Donc, il y a véritablement un problème qui se pose, d'autant plus que le magistère pontifical, par un document de 1874, qu'on appelle le Non Expedit, demande aux électeurs italiens de ne pas voter lors des élections organisées pour ne pas cautionner l'État spoliateur. L'État spoliateur de quoi? L'État spoliateur en particulier de Rome. C'est-à-dire qu'en fait, le pape Pie IX vit dans cette idée qu'il ne peut pas avoir véritablement de liberté, y compris spirituelle, si il n'y a pas une autorité temporelle du pape sur Rome. Et ce non expedit montre bien que finalement il n'y a pas de reconnaissance mutuelle. L'Église ne reconnaît pas l'État italien, ne reconnaît pas Rome comme capitale, et inversement, vous n'avez pas de représentant de l'État italien auprès du Saint-Siège. Vous allez donc vivre dans un pays où il y a une grande majorité de catholiques et où finalement les deux entités que sont l'État royal italien et l'Église catholique se regardent en chien de faïence, si j'ose dire. Ça a pesé dans la société italienne. Alors, est-ce que le non expedit a été efficace? Il faut bien voir quand même que le corps électoral au début des années 1870 est relativement étroit. C'est à peu près 500 000 électeurs. Hein, c'est un suffrage censitaire. Et quand on observe la participation, elle est à peu près de 50%. Ça veut dire tout de même que une moitié du corps électoral. Peut-être pas seulement pour les injonctions pontificales, mais enfin, on ne peut pas écarter le fait que ça ait pu jouer. Or, cette question catholique, eh bien, elle va peser lourd. En fait, elle est réglée quand? Elle est réglée. Alors, il y a, je dirais, des aménagements au début du XXe siècle. Il y a l'entrée progressive, petit à petit, de l'électorat catholique, parce qu'il y a un autre danger politique qui émerge, c'est le socialisme en Italie. Et les rouges, pour reprendre une expression traditionnelle, sont souvent anticléricaux. Et donc, finalement, dans les milieux catholiques, on estime qu'il vaut peut-être mieux participer aux élections pour faire barrage à ce qui est perçu comme un danger. Donc, c'est vrai que, par exemple, aux élections de 1909-1913, il y a des accords électoraux qui montrent un début d'entrée du monde catholique véritablement dans le système électoral national. Mais il faut attendre 1919 pour que vous ayez le non expedit qui est définitivement levé par le pape Benoît XV. Et avec la formation d'un parti de tradition démocrate chrétienne qui est le Parti populaire. Alors certes, le Parti populaire va avoir une existence courte à cause du fascisme. Et c'est finalement le fascisme qui va régler la question romaine, la question du rapport à l'Église, avec ce qu'on appelle les accords du Latran, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir, de 1929, où il y a un accord, une reconnaissance mutuelle entre l'État et l'Église. Mais vous voyez que cette question catholique, que j'ai synthétisée à grands traits, pèse lourd sur l'histoire du jeune État. Années 1860, l'État unifié se plaint de devoir combattre ce qu'il appelle le brigandaggio, le brigandage. Alors le brigandage, c'est un phénomène que l'on trouve dans les provinces du Sud, où vous avez une résistance, en particulier dans les campagnes, contre les autorités. Alors cette résistance, elle prend des fois, véritablement, oui, des aspects de vrai brigandage. Mais seulement, c'est trop simple, parce que si on résume cette résistance à du brigandage, ça évacue le fait que vous avez une partie des méridionaux qui a mal vécu l'unité. Parce que ces paysans, on peut participer à l'unité. Les campagnes du Mezzogiorno, du Midi italien,
n'ont pas été, en grande part, participantes à l'unité. Et tout d'un coup, elles se retrouvent, alors qu'elles n'en ont pas l'habitude, avec un État central, représenté par des préfets, qui imposent de nouveaux impôts, qui vont, l'État central va imposer, par exemple, aussi la conscription, le service militaire. Et si vous voulez, derrière le mot brigandage, il y a pu y avoir une résistance, y compris populaire, au phénomène unitaire. Alors, c'est vrai que les préfets, par rapport au gouvernement, parlent de brigandage. Mais enfin, vous comprenez que le mot est un peu fourre-tout et qu'il cache sans doute des réalités beaucoup plus complexes. Beaucoup plus complexes. Et pendant une bonne dizaine d'années, donc dans les années 1860, vous avez quand même jusqu'à 100 000 soldats qui sont déployés dans les provinces du Sud pour contrôler ce brigandage. Et au total, on estime, les historiens qui se sont penchés sur la question estiment que il y a eu 10 000 à 12 000 morts durant la répression du brigandage. Donc, ce n'est pas anodin, disons. L'Italie a, depuis l'unité, effectivement, une question de la relation entre le Nord riche et un Midi pauvre. Et c'est vrai que il y a eu un choix qui a été fait par l'État central de ne pas tellement saupoudrer, je dirais, les aides et les investissements, mais à favoriser les régions qui étaient déjà plus développées sur le plan industriel, en particulier en Piémont, en Lombardie, en Ligurie, la région de Gênes, etc. Quand on regarde les investissements en infrastructures ferroviaires, portuaires, routières, le soutien même aux initiatives industrielles, il est indéniable que le Nord est favorisé. Alors, il y a eu une espèce finalement d'entente tacite entre les élites méridionales, la vieille aristocratie méridionale, à qui on a dit, bah, écoutez, on vous laisse tranquille, on ne fait pas de grandes réformes liées à la terre, de grandes réformes qui auraient permis peut-être une redistribution des terres, qui est une des revendications de cette paysannerie méridionale, on ne fait pas de réformes de ce type, vous nous assurez un ordre social, vous nous assurez un ordre qui maintient de l'ordre, justement, mais par contre, vous pouvez vous investir aussi dans les industries du Nord. Et donc, la question du Midi, elle se pose à ce moment-là. Et vous avez des intellectuels, des parlementaires qui se sont emparés de la question en soulignant quand même le déséquilibre. Alors, cette dichotomie se retrouve à plusieurs niveaux. Si vous prenez l'alphabétisation, à la veille de la Grande Guerre, les analphabètes en Lombardie ne représentent que environ 15% de la population. Si vous allez dans la Campanie, donc la région de Naples, vous êtes à 75% d'analphabétisme. Donc il y a, si vous voulez, véritablement, y compris sur le plan culturel, des différences assez nettes. Alors, au début du XXe siècle, l'État en prend conscience. Par exemple, on termine enfin la ligne Rome-Naples, la ligne de chemin de fer Rome-Naples. Mais il était temps, puisque je crois qu'elle a été inaugurée en 1902, donc vous voyez, elle est quand même tardive. On fait, c'est vrai, des efforts de construction d'écoles dans les Pouilles, en Calabre, en Sicile. Mais c'est un effort tardif, ce qui fait que cette question du Midi, elle va se retrouver tout au long de l'histoire de l'Italie unitaire. Et je dirais, alors c'est moins prégnant peut-être aujourd'hui dans le langage politique, dans la vie politique, mais enfin, ça existe toujours. Ne pas oublier qu'il y a une trentaine d'années, vous aviez un parti politique, la Ligue du Nord, qui dénoncer le fait que finalement
eh bien, l'argent des travailleurs, des industrieux du Nord allait vers les terroni, les cutéreux du Sud. Donc, c'est-à-dire que c'était quand même un langage politique extrêmement cru. Extrêmement cru. On oublie d'ailleurs de dire au sein de la Ligue que, par exemple, une ville comme Turin, qui a été une grande ville industrielle, ben, une grande partie des ouvriers turinois étaient des méridionaux, qui étaient venus travailler dans les usines de la Fiat, entre autres. Donc, cette question Nord-Sud a joué véritablement, et elle a pesé, je dirais, tout au long de la période. Alors, le fascisme l'avait mis un peu entre parenthèses, puisque Mussolini avait dit « il n'y a plus de question méridionale dans l'Italie fasciste ». C'était, je dirais, une facilité de langage, parce qu'il y avait toujours une question méridionale, mais qui avait été, je dirais, mis quelque peu sous le boisseau. C'est une monarchie constitutionnelle, c'est ce qu'on appelle le statuto, c'est-à-dire la constitution, de 1848, qui est élargie à l'ensemble du royaume en 1861. Quand on regarde le statuto, il ne prévoit pas, à proprement parler, une monarchie parlementaire, puisque le pouvoir exécutif est censé être concentré dans les mains du roi. Dans la réalité des faits, l'Italie va progressivement adopter des pratiques parlementaires où le Parlement va être un instrument, effectivement, des institutions. Alors, le système repose sur une force politique centrale qui est ce qu'on pourrait qualifier le parti libéral, mais qui est lui-même divisé entre, je dirais, un centre-gauche et un centre-droit. Voilà. En 1876, ce qu'on appelle la droite historique, c'est-à-dire les héritiers de Cavour, perdent les élections au profit d'un centre-gauche libéral qui, à quelques nuances près, va dominer un peu le paysage politique jusqu'à la Grande Guerre. Et donc, vous avez véritablement un système qui s'organise autour de ces grands notables. Je citerai par exemple Agostino De Pretis, Francesco Crispi dans les années 90. Et puis, à partir du début du XXe siècle, la grande figure, alors elle n'est pas toujours au pouvoir, mais elle est très régulièrement au pouvoir, c'est Giovanni Giolitti, qui est un réformateur. Par exemple, il va rendre obligatoire la scolarisation jusqu'à 12 ans. Il va élargir le scrutin, le suffrage, en le rendant quasi universel pour les hommes en 1912, puisque la loi de 1912 autorise les Italiens à voter à partir de 21 ans, sauf les analphabètes qui ne peuvent voter qu'après 30 ans. Vous voyez, on y va prudemment, mais enfin, il élargit quand même largement le suffrage. Donc, ce système est basé sur ces grands notables libéraux qui dominent la vie politique, alors avec des reproches, que l'on fait à ce système, parce que il est souvent, on lui reproche une corruption, on lui reproche finalement des pressions des préfets dans tel ou tel collège électoral, bon. Mais, néanmoins, je serais tenté de vous dire que l'Italie de, je dirais, autour de 1900 est une Italie libérale, tout de même, où vous avez une vie politique qui a une vie parlementaire. Il y a des partis d'opposition. Par exemple, vous avez le Parti Socialiste, qui est créé en 1892, et aux élections de 1913, vous avez une quarantaine de députés socialistes qui vont à Montecitorio, le palais à Rome qui sert de chambre des députés. Il y a des tentatives de formation d'un parti catholique, mais là, cette initiative se heurte à la méfiance de la papauté. Donc, il y a tout de même une vie publique. Hein, il y a une vie publique. Il y a également une presse. Hein,
le vieux Corriere della Sera qui représente le courant libéral, alors que vous avez un journal socialiste, Avanti, qui est un journal socialiste et qui est dirigé à partir de 1912 par un certain Benito Mussolini. Donc, oui, ce n'est pas une démocratie parfaite. D'ailleurs, qu'est-ce qu'une démocratie parfaite? Mais c'est un régime, effectivement, qui a pris des habitudes d'une vie parlementaire et d'un certain libéralisme politique, ce qui n'exclut pas une répression des fois sévère de certains mouvements sociaux, par exemple les manifestations de Milan en 1898 sont réprimées par l'armée, et il y a plusieurs dizaines plusieurs dizaines de morts, hein, dans les rues de la capitale lombarde. Donc c'est aussi un État qui peut être rude de même. Pour éclairer le choix de la guerre, il faut peut-être dire quelques mots sur les choix internationaux de l'Italie unifiée. L'Italie unifiée va faire le choix en 1882 d'opter pour l'alliance avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Cela pourrait éventuellement surprendre parce que on expliquait précédemment que c'était la France qui avait été quand même un peu la marraine de l'unité italienne en partie. Oui, mais il se trouve que les relations avec la France se sont tendues, en particulier sur les questions coloniales, parce que la France et l'Italie avaient des visées sur la Tunisie pour établir un protectorat sur la Tunisie, et il se trouve qu'en 1881, le protectorat sur la Tunisie est français, accordé à la France. Et cela est très mal ressenti par une bonne partie des élites italiennes, qui sont d'ailleurs assez fascinées par le dynamisme de l'Empire allemand. Parce que au moment de l'unité italienne, vous avez eu l'unité allemande. Et cette Allemagne qui devient la puissance du continent européen, avec une industrie, une culture, qui impressionne beaucoup de membres des élites italiennes. Et donc, en 1882, je dirais, face à l'échec de la Tunisie, face à la fascination du modèle allemand, la diplomatie italienne opte pour l'alliance avec Vienne et Berlin, la triple alliance. Seulement, en fait, pour des raisons liées en partie à ce qu'on appelle l'irrédentisme, c'est-à-dire les revendications envers les territoires italophones de l'empire des Habsbourg, de l'Autriche-Hongrie. Au début du XXe siècle, il y a un effritement, un délitement de cette alliance. Alors, elle est officiellement toujours renouvelée tous les 5 ans, encore en 1912. Mais dans la réalité des faits, à partir du début du XXe siècle, l'Italie se rapproche plutôt finalement de la France. Il y a des visites en 1902, 1904, entre le roi d'Italie qui vient à Paris, puis le président français qui va à Rome. Il y a un rapprochement avec la Grande-Bretagne. Le tsar lui-même, le tsar de Russie, vient en Italie en 1909. Bref, il y a toujours la Triple Alliance, mais enfin, elle marche de moins en moins bien. Et finalement, en 1914, au moment de la grande crise de 1914, l'Italie déclare sa neutralité. Elle ne rentre pas dans la guerre. Elle ne rentre pas dans la guerre et elle va faire le choix en 1915, suite à des tractations diplomatiques serrées, de rentrer en guerre aux côtés de la France, de la Grande-Bretagne et de la Russie. Il y a le pacte de Londres qui est signé à la fin du mois d'avril 1915, et où les Alliés font des promesses extraordinaires à l'Italie. La récupération des terres italophones de l'Empire autrichien, c'est l'agrandissement de colonies pris à l'Allemagne en Afrique, c'est des zones d'influence, ce sont des zones d'influence en Turquie. Donc véritablement, c'est même un protectorat sur la Dalmatie, sur l'Albanie. Enfin,
Il y a, si vous voulez, la mariée est belle. On fait énormément de promesses, finalement, à l'Italie. Et c'est sur ce traité qu'elle rentre en guerre. C'est sans doute la grande épreuve collective que les Italiens vont connaître depuis l'unité. C'est-à-dire que vont se battre sur ce front difficile, ce front montagneux, aux confins de l'Italie et de l'Autriche, des hommes venus de toutes les provinces, qui vont passer sous les drapeaux, qui vont peut-être même d'ailleurs apprendre un peu plus l'italien qu'ils ne le connaissaient, parce que évidemment les ordres se donnent en italien. Donc il y a véritablement une épreuve collective, une épreuve collective qui est une épreuve rude, parce que au final, vous avez 670 000 morts, des centaines de milliers de blessés, de mutilés. C'est un pays qui, à la fin de la guerre, est victorieux. L'Italie fait partie du camp des vainqueurs, oui, mais un pays qui connaît toute une série de difficultés, difficultés liées à la dette. C'est un pays très endetté, comme d'ailleurs quasiment tous les pays qui ont participé au conflit. C'est un pays aussi qui doit faire face à une crise sociale. La démobilisation crée du chômage, parce qu'on ne reconvertit pas une économie de guerre en économie de paix rapidement. Et donc vous avez un phénomène de chômage. On estime au milieu de l'année 1920, dans la deuxième partie de l'année 1920, que vous avez sans doute 2 millions de chômeurs en Italie, sur une population d'environ 37-38 millions d'habitants. Et alors, les statistiques officielles parlent plutôt de 600 000, mais à vrai dire, il y a en fait, grâce à l'entraide familiale, beaucoup de chômeurs qui vivent grâce au soutien de la famille et qui vivent de petits travaux, de petits boulots, comme on dirait aujourd'hui. Et en fait, le chômage est important. C'est aussi un pays dont les élites ont été déçues des résultats de la guerre, parce que le traité de Londres que j'évoquais tout à l'heure, ben, il n'est pas appliqué. On donne à l'Italie le Trentin et l'Istrie, mais pas de colonies en Afrique, pas de Dalmatie, pas d'annexion de l'Albanie, pas de protectorat sur l'Albanie. Et alors, quant à la zone d'influence dans le sud de l'Anatolie, en Turquie, bon ben, Mustafa Kemal, le général turc, va de toute manière, en reconstituant une Turquie, faire écrouler les rêves de zone d'influence. Donc, c'est un pays dont Gabriele D'Annunzio, le poète, avait dit qu'il y a eu une victoire mutilée. Vous avez une frustration. Alors attention, non pas de toute l'opinion et la société italienne. Parce que quand vous regardez les élections de 1919, ce sont plutôt des neutralistes qui sont majoritaires au Parlement. Donc il faut mesurer l'impact de la victoire mutilée. Mais, il est indéniable que cette victoire mutilée a pu provoquer des frustrations dans les franges les plus radicales du nationalisme italien. Et ce concept de victoire mutilée va être repris par le fascisme par la suite. Donc, si vous voulez, vous avez un pays victorieux, oui, mais un pays qui a du mal à traverser les crises de l'après-guerre. Vous avez, au lendemain de la guerre, un phénomène très particulier à l'Italie, c'est que vous avez des ouvriers qui occupent des usines, qui veulent les gérer eux-mêmes, une espèce d'autogestion, et puis vous avez des ligues paysannes qui, un peu partout dans la péninsule, occupent les terres pour réclamer une réforme agraire, qui d'ailleurs avait été promise en 1917 pendant la guerre.
Et donc, vous avez un phénomène qui va inquiéter une partie de la société italienne, parce qu'il ne faut jamais oublier que la révolution bolchevique fait partie du paysage politique de l'après-guerre. Et pour une partie des Italiens, ce qui se passe en Italie, c'est le prélude à une révolution bolchevique. Alors, les historiens savent que c'était un fantasme, mais vous savez, la politique vit aussi de fantasmes. Véritablement, il y a là une peur à laquelle le fascisme va apporter une réponse. Il est né en 1883 à Predappio, dans la province de Forlì, c'est en Émilie-Romagne. Il est issu d'une famille modeste, non pas totalement misérable, mais modeste. Sa mère est une pieuse catholique institutrice et son père est maréchal ferrant et tient une auberge où se réunissent souvent les militants socialistes, puisque le père appartient au Parti socialiste italien. Et Benito Mussolini va suivre la voie paternelle, parce qu'à 17 ans, il entre au Parti socialiste. Et il va militer dans le Parti socialiste, l'aile gauche du Parti socialiste, l'aile maximaliste, parce que le Parti socialiste était divisé entre les minimalistes, c'est-à-dire en fait les réformistes, et les maximalistes qui parlaient beaucoup de la révolution. Et Mussolini se retrouve sur cette position. Il est à l'époque antimilitariste. D'ailleurs, il quitte l'Italie pour ne pas faire le service militaire. Il va vivre en Suisse pendant un temps. Il est sur des positions souvent anticléricales, anti-bourgeoises. Il déteste la bourgeoisie et il déteste l'Italie de Monsieur Giolitti. Parce que c'est l'Italie bourgeoise, c'est l'Italie libérale, c'est l'Italie parlementaire. Ceci va lui donner une relative importance au sein du parti, puisqu'à partir de 1912, après le congrès de Reggio Emilia, on lui confie la direction du journal du parti. Donc, si vous voulez, bon, il a quand même un parcours politique relativement intéressant au sein du Parti socialiste. Je dirais la grande rupture qu'il va connaître, c'est la guerre. Parce que en 1914, au moment de la crise de l'été 14, il est encore sur les positions socialistes du neutralisme. Le Parti socialiste défend des positions neutralistes de ne pas entrer dans la guerre. Et puis, un peu à la surprise générale, parce qu'il n'en avait pas averti ses camarades du parti, en octobre 1914, il publie un article, un éditorial, où il défend l'idée que l'Italie devra rentrer dans le conflit. Il y a plusieurs explications. Alors, il y a une explication que je cite, que je signale, mais que j'évacue assez vite, c'est qu'il aurait été totalement payé par la France, par les services français, qui l'auraient payé. Alors, c'est vrai qu'il a reçu de l'argent de la part de l'ambassade française à Rome pour maintenir ses positions d'intervention. Ça va l'aider d'ailleurs à créer son propre journal, Il Popolo d'Italia. Mais enfin, ce serait un peu simpliste que d'expliquer la mutation mussolinienne par l'argent reçu. Il faut essayer de se pencher aussi sur ses options idéologiques. Mussolini, bon, il a lu sans doute un peu Marx, mais il n'est pas marxiste au sens, je dirais, socialiste du terme. Il est plutôt influencé par Sorel, Georges Sorel, et ses écrits sur la violence, le rôle de la violence dans l'histoire. Et là, par contre, il est effectivement sur cette idée que la violence change la donne, qu'elle est un élément de prise de pouvoir éventuellement. Et il estime aussi que le Parti socialiste a trop ignoré au profit de la classe l'idée de la nation. Et que finalement, il se rend compte que les peuples européens sont quand même très marqués par la nation
comme le prouve le conflit en cours. Et cette guerre de type national, eh bien, il pense qu'elle peut aussi modifier la donne en Italie parce que elle va créer des conditions révolutionnaires, de changement profond de l'Italie. Il pense un peu, si j'ose dire, comme Lénine, parce que quand Lénine dit que la guerre est un accélérateur de l'histoire, il est évident que la révolution bolchevique se comprend dans le cadre du contexte de la guerre. Eh bien, Mussolini estime que l'Italie de Monsieur Giolitti, l'Italietta, la petite Italie, qui était détestée en partie par ses nationalistes italiens, par les futuristes, etc., eh bien, ne sera pas là. Que la guerre va bouleverser la donne. En cela, d'ailleurs, il a plutôt raison. C'est-à-dire que la guerre va créer une nouvelle Europe, un nouveau continent, des nouvelles conditions politiques, des nouvelles conditions sociales. Et donc, il pense que, de toute manière, l'Italie bourgeoise, libérale, qu'il déteste, ne sortira pas indemne de la guerre. Il est bien sûr exclu du Parti socialiste, et il va lui-même s'engager dans l'armée. Lui, qui était antimilitariste une quinzaine d'années avant, s'engage et participe à la Grande Guerre. Il participe à la Grande Guerre. Et à la fin du conflit, il est face à un dilemme. Que faire finalement? Parce que c'est un homme quand même très peu connu et relativement isolé. Il crée le 23 mars 1919 les faisceaux de combat. C'est un mouvement hétéroclite. Hétéroclite. Où vous trouvez autour de Mussolini des anarcho-syndicalistes, des nationalistes, des socialistes en rupture de banc qui ont suivi Mussolini, des futuristes, enfin, bref, un patchwork ou une mosaïque de composantes. Et une composante qui se veut révolutionnaire, parce que quand vous lisez le programme de 1919, vote des femmes, assemblée constituante pour changer le régime et aboutir à une république, confiscation des profits de guerre, confiscation des biens ecclésiastiques, abolition d'une armée permanente. Enfin, vous avez quand même un programme que j'ose situer à une extrême gauche, mais avec quelque chose qui est quand même significatif, c'est quand même déjà un mouvement qui est violent. Dès le mois d'avril 1919, on va saccager le siège du journal socialiste L'Avanti. Les élections de novembre 19 sont une catastrophe. Il n'y a pas d'élu. Mussolini se présente à Milan, il obtient 6 000 voix, lorsque le candidat socialiste en a 160 000. Et le candidat démocrate chrétien, 100 000. La liste démocrate chrétienne du Parti populaire en obtient 100 000. Donc, si vous voulez, c'est un homme a priori fini, politiquement fini, au point que par dérision, des militants socialistes jettent son mannequin dans un canal de Milan en disant « voilà ce qu'est devenu Benito Mussolini ». Et là, il va comprendre la situation et changer d'optique politique. Par la violence, à un retour à l'ordre dans les usines, dans les campagnes, et véritablement la violence fasciste est un phénomène extrêmement majeur de la période 1920-1922. Face à un État qui est faible, qui laisse faire, dans certaines provinces, les préfets, voire même les chefs de garnison, laissent le fascisme prospérer parce que finalement, ils font le travail à leur place. Le fascisme, en particulier dans beaucoup de zones rurales, fait des expéditions punitives. En novembre 1921, il y a un congrès fondateur du Parti national fasciste. Et quand vous lisez le programme de 1921,
on est très éloigné de celui de 1919. On ne met pas en cause les institutions. On parle au contraire d'un rôle international et militaire de l'Italie. On interdit le droit de grève dans les services publics. Enfin, si vous voulez, nous sommes dans une optique totalement différente. C'est l'impotence, l'impuissance, la faiblesse des oppositions. Les dictatures arrivent souvent quand même quand des oppositions sont incapables de faire front commun. Or, le Parti socialiste est divisé, ça va donner lieu à la création du Parti communiste italien. Il est toujours divisé en son sein entre réformistes et ceux qui parlent de révolution, mais qui ne la font jamais. Ça, c'est le problème, des fois, de certains partis révolutionnaires. C'est qu'ils parlent de révolution, mais ils ne la font jamais. Vous avez le Parti populaire, le Parti démocrate chrétien. Il est lui-même très divisé entre des gens qui ont des positions extrêmement conservatrices et des personnes qui, au contraire, veulent des grandes réformes sociales. Et puis certains commencent à dire, bon, face à la situation, pourquoi ne pas inclure le parti fasciste dans une grande coalition, le faire rentrer au Parlement, ce qui est le cas d'ailleurs avec les élections d'avril 1921, et finalement, pourquoi ne pas envisager de le parlementariser. La faiblesse de l'État, les divisions des partis politiques, une situation économique qui est quand même extrêmement complexe. Le fascisme apparaît comme une force militante extrêmement puissante. Vous avez, à la fin 21, 300 000 adhérents au Parti national fasciste. 300 000 adhérents, tous nos partis politiques en rêveraient aujourd'hui. Au moment de la marche sur Rome, vous avez 700 000 adhérents. 700 000. Alors, on a souligné souvent que c'était un parti de classe moyenne. Oui, mais pas seulement. Quand on regarde la sociologie, c'est un peu plus complexe. Vous avez des chômeurs qui se retrouvent, des ouvriers qui peuvent adhérer au fascisme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un parti plus hétéroclite peut-être qu'on ne l'a dit. Et même si c'est vrai, les classes moyennes dominent. Des classes moyennes qui, finalement, sortent frustrées de la guerre et des classes moyennes qui redoutent une situation à la bolchevique et qui adhèrent finalement à ce sentiment de violence que le fascisme va développer. Et le résultat, c'est que la marche sur Rome, la fameuse marche sur Rome, en octobre, le 28 octobre 1922, elle est l'aboutissement d'un processus qui a commencé bien avant. Et surtout, il ne faut pas faire la marche sur Rome et pas être piégé par le discours fasciste à ce sujet. C'est pas une marche triomphale sur la capitale, etc. C'est en fait l'aboutissement d'un processus de délitement des institutions, de l'État, et de prise en compte et de prise en main dans les provinces des centres vitaux par le parti fasciste. C'est-à-dire que la marche sur Rome est une partie de l'iceberg. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'en cet automne 22, dans les provinces, on s'empare des mairies, on s'empare des centres téléphoniques, on s'empare des gares, etc. Ce qui fait que l'arrivée au pouvoir, ce n'est pas que la marche sur Rome, c'est aussi un phénomène beaucoup plus général en Italie. Oui, elle aurait pu échouer si, en particulier, le roi Victor Emmanuel III avait accepté l'idée de proclamer l'état d'urgence. Il a été question à un moment donné qu'il signe le décret d'état d'urgence. Le décret d'urgence, c'est l'autorisation pour les forces de l'ordre de rétablir l'ordre de manière rude. Et à Rome, il y avait un général, le général Pugliese, avec 20 000 hommes,
qui lui est fidèle de la couronne. Si on lui avait dit de rétablir l'ordre face aux militants fascistes qui arrivaient dans la capitale, il l'aurait fait. Mais la volonté d'un retour à l'ordre, un entourage qui conseillait le roi en direction plutôt d'une solution Mussolini. Les militaires, par exemple, le maréchal Diaz, l'amiral Taon di Revel, conseillent au roi plutôt d'appeler Mussolini. Enfin bon. Et puis peut-être que le roi, comme tout, beaucoup de dirigeants italiens, sous-estime Mussolini et le fascisme. On ne pense pas en prendre pour 20 ans. On pense que ça va durer quelques mois. Que c'est, vous savez, on avait, le roi, il a tellement vu de gouvernements passer face à l'instabilité. Un de plus, un de moins, ce qu'on ne perçoit pas, et je ne jette pas la pierre, mais ce qu'on ne perçoit pas, c'est le dynamisme qu'a le fascisme. Le dynamisme et finalement la capacité d'adaptation qu'a eu le fascisme. Et donc, 30 octobre 1922, Mussolini est nommé président du Conseil. La dictature fasciste s'établit clairement à partir de 1925-26. Mussolini, entre 1922 et 1925, est obligé de naviguer, de passer des compromis, d'organiser des élections, certes qu'il remporte en avril 24, mais où il y a encore une opposition, et je pense à Giacomo Matteotti, le député socialiste qui va le payer de sa vie, le 10 juin 1924, qui veulent, ces oppositions qui veulent s'opposer, encore crier, je dirais, dans un paysage politique de plus en plus fascisé. Mais il faut attendre véritablement les lois qu'on appelle fascistissimes de 1925-26 pour que la dictature s'installe. Ces lois vont supprimer la liberté de la presse, vont supprimer les syndicats, sauf le syndicat fasciste, vont proclamer la déchéance des députés d'opposition, vont créer ce qu'on appelle le podestat, c'est-à-dire le remplaçant du maire qui n'est plus élu mais qui est désigné par le gouvernement. Donc vous avez toute une série de lois qui instaurent clairement la dictature en 1925-26. D'abord, c'est une dictature qui est obligée de composer avec des institutions anciennes. La monarchie n'est pas du tout abolie. Le chef de l'État, c'est le roi Victor Emmanuel III. Mussolini, à la différence d'Hitler, n'a jamais été chef d'État. Et les officiers qui sortent des écoles militaires prêtent serment au roi. Donc, il est obligé de composer avec la monarchie. Les institutions parlementaires, elles vont être fascisées, soyons clairs. Les élections de 1929, de 1934 sont des élections totalement organisées. Et d'ailleurs, en 1934, vous votez pour une liste de députés par oui ou par non. Vous voyez, c'est plus un référendum qu'une élection législative. Bon, donc il va y avoir fascisation du Parlement. Et puis également, à côté des vieilles institutions, le régime va créer des nouvelles institutions. Je pense par exemple au Grand Conseil du fascisme que Mussolini, le Duce, le guide, convoque à son gré pour, je dirais, tester certains de ses projets et demander quelques avis. D'ailleurs, au fur et à mesure du régime, il le convoque de moins en moins. Deuxième caractéristique, c'est un État à vocation totalitaire. Je n'hésite pas à employer le mot. Je sais que tous les historiens, en particulier des collègues, hésitent à parler du totalitarisme, en estimant que le nazisme n'a pas utilisé le mot et le concept, et que c'est un mot qui brouille un peu les choses. Je ne suis pas de cet avis, parce que le fascisme utilise le mot. Alors, si vous voulez, je ne vais pas être plus fasciste que les fascistes, c'est-à-dire que j'utilise aussi le mot totalitarisme. Il l'utilise, il revendique un système totalitaire. Là encore, il ne s'agit pas de voir s'il y a eu un totalitarisme parfait. Le fascisme n'a pas été un totalitarisme parfait.
l'historien britannique Adrian Littleton avait utilisé le mot un totalitarisme imparfait. Oui, mais la question est de savoir s'il y a un totalitarisme parfait dans le monde. Même le nazisme a laissé, parce qu'il ne pouvait pas absolument tout contrôler, même des espaces d'autonomie, certes contrôlés, mais des espaces d'autonomie. Bon, et donc finalement, dire que le fascisme est un totalitarisme imparfait, il faudrait me dire exactement qu'est-ce que c'est que le totalitarisme parfait, abouti. Par le biais du contrôle de la société, organisation de jeunesse, organisation des loisirs, encadrement de la société, je ne m'y étends pas, parti unique, un parti qui est au service de l'État, mais évidemment qui est unique et qui contrôle, qui participe au contrôle de la société, contrôle des médias, c'est-à-dire essentiellement à l'époque, journaux et radios. Vous avez une fascisation des services de rédaction de la presse italienne. Même le vénérable Corriere della Sera, on va exclure son directeur Albertini, qui était plutôt de tradition libérale, au profit d'une rédaction fascisante. Il va y avoir aussi un autre aspect du totalitarisme sur lequel je voudrais souligner parce que il a été un peu négligé pendant assez longtemps, c'est l'extraordinaire ambition de créer un homme nouveau. Voilà. Il faut créer un nouvel Italien, un homo fascisticus, comme il y aurait, si vous voulez, un homo soviéticus avec Staline. Vous voyez? Créer un homme nouveau. Alors ça, c'est quand même, c'est une révolution quasiment anthropologique que le fascisme se propose. Alors, il faut que les Italiens soient coupés finalement de leurs racines libérales, éventuellement démocratiques, où finalement il faut donner une nouvelle structure de pensée aux jeunes pour qu'ils assurent la pérennité du régime. Parce que créer un homme nouveau, c'est que vous vous placez dans la très longue durée. Dans la très longue durée, et que donc il faut que les Italiens de Giolitti, 40 ans plus tard, soit les Italiennes de Mussolini. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut véritablement créer un homme nouveau. Il y a le culte du corps. Mussolini, à la différence de Staline ou d'Hitler, n'hésite pas à se montrer torse nu, en train de faire du sport. Enfin, il a un côté très exhibition du corps. L'Italien doit, par le sport, par l'éducation physique, etc., former, y compris sur le plan physique, un homme nouveau. Donc ça, c'est une révolution extrêmement importante. On veut aussi, dans ce cadre-là, changer les manières de parler. Par exemple, vous avez en 1938 toute une campagne contre le vouvoiement. En italien, le vous, c'est le lei. C'est issu un peu de la tradition espagnole du usted. Eh bien, désormais, ça fait trop bourgeois, le lei. Il faut utiliser le voi, qui est le voi collectif, le vous collectif. Bon, alors là, on demande aux Italiens de changer leurs habitudes linguistiques. On ne doit plus se serrer la main, parce que c'est bourgeois, le serment de... Il faut se saluer avec le bras tendu. Si vous voulez, on essaye de changer les habitudes linguistiques. Il ne faut plus utiliser de mots étrangers. Le football, non, il faut dire le calcio, par exemple, voyez. Il faut plus dire rendez-vous, il faut dire appuntamento, bon, etc. Donc, voyez, on veut véritablement former un autre homme. Alors, évidemment, c'est le régime n'a jamais eu le temps de le faire. Parce que il s'effondre trop tôt, si j'ose dire, pour cette révolution anthropologique. Mais voyez quand même que c'est allé relativement loin. Mais ceci dit, il y a aussi les victimes de cette politique totalitaire, parce qu'il va y avoir les exclus de l'homme nouveau. J'en citerai deux.
Le juif. Il y a des lois antisémites en 1938. Les juifs sont exclus. Vous avez des lois qui, par exemple, interdisent les mariages mixtes, qui excluent de l'enseignement les juifs. Alors, on a longtemps dit qu'elles n'avaient pas été appliquées. Malheureusement, les études, depuis une bonne vingtaine d'années, montrent qu'elles ont été appliquées. Bon. Alors, il n'y a jamais eu l'extermination envisagée. Ça, c'est les nazis quand ils occuperont l'Italie en 43. Mais c'est quand même, on fiche les communautés juives. Ces communautés qui étaient intégrées à la société italienne depuis fort longtemps. Et puis vous avez aussi une deuxième exclusion, l'homosexuel. L'homosexuel ne correspond pas, si vous voulez, à la virilité fasciste. En tout cas, la virilité, je dirais, préconisée par le fascisme. En plus, dans la politique très nataliste du régime, l'homosexuel ne participe pas à la natalité. Et vous avez un renforcement de la lutte. Alors là aussi, toujours dans les années 38-39, à l'extrême fin de la guerre, des années 30, pardon, contre ce qu'on appelle la pédérastie. Voilà. Et vous avez dizaines d'homosexuels qui vont être emprisonnés et qui vont être mis dans ce qu'on appelle il confino, c'est-à-dire dans ces zones, ces prisons éloignées de tout. Là, je renvoie au film d'Ettore Scola, La journée particulière, où on voit Mastroianni qui est exclu de la radio parce qu'il était homosexuel. Et à la fin du film, d'ailleurs, deux policiers, deux agents de l'OVRA, la police politique fasciste, viennent le chercher. Un très beau film, là. Une journée particulière d'Ettore Scola. Donc, si vous voulez, il y a un vrai projet, un vrai projet. Il y a un culte du chef. Le culte du chef se développe, je n'insiste pas, c'est évident. La guerre est pour lui un moyen de retremper les Italiens dans une épreuve collective. Il estimait que la paix perpétuelle, il n'y croyait pas. Et que tôt ou tard, il faudrait retremper les Italiens dans un conflit. Ce qui fait que nous sommes loin de l'esprit de la Société des Nations, de Genève. Nous sommes à des années-lumière d'un Chamberlain, par exemple, vous voyez, ou même d'un pacifisme français qui, après les épreuves de la Grande Guerre, ne rêve pas d'une autre guerre. La guerre d'Éthiopie de 1935-36, où l'Italie veut s'affirmer parmi les grandes puissances. Et d'ailleurs, cette guerre d'Éthiopie, une partie des Italiens espérait que ça allait un peu, je dirais, calmer le régime. En fait, la guerre d'Éthiopie, qui se termine par une victoire, va redynamiser, au contraire, la vocation totalitaire du régime. Les relations avec l'Allemagne n'ont pas été. Pendant très longtemps, l'Italie reste fidèle aux alliés de la Grande Guerre. Et en 1933, quand Hitler devient chancelier, le pouvoir fasciste n'est pas enthousiasmé. Et la première rencontre Hitler-Mussolini en juin 1934 à Venise ne se passe pas bien. Mussolini méprise en privé, il dit que cet Hitler n'a aucune envergure, etc., etc. Bon. Sauf que, d'une part, Hitler va connaître quand même des succès considérables à partir de 1934. Et puis, d'autre part, la guerre d'Éthiopie va déstructurer les alliances. C'est-à-dire que les Français et les Britanniques vont s'éloigner de l'Italie à cause de la guerre d'Éthiopie. Et donc, l'Allemagne nazie va être une alliance possible pour l'Italie fasciste. Mais c'est une alliance qui sera d'ailleurs, comment dirais-je, lente à se mettre en place. On se rencontre, Mussolini va en Allemagne en 37, Hitler vient en mai 38, mais il n'y a pas d'alliance encore. Cette alliance ne sera signée que par le pacte d'acier
du 22 mai 1939. Et désormais, vous avez une alliance militaire contraignante pour les Italiens et les Allemands. Au moment de la guerre, ben finalement, l'Italie est surprise parce que l'Italie avait promis qu'il n'y aurait pas de guerre avant 1943. Les promesses ne sont bonnes que pour ceux qui y croient. Et le pouvoir fasciste avait cru effectivement, il faut lire là le journal du comte Ciano, le gendre de Mussolini, qui est son ministre des Affaires étrangères, où on voit un homme en août 39 au bord du précipice qui se rend compte qu'il a été dupé. Donc, l'Italie rentre en guerre le 10 juin 1940 parce que elle a le sentiment, et Mussolini surtout, que la guerre est finie. C'est-à-dire que les victoires allemandes assurent la domination de l'Allemagne nazie sur l'Europe et autant participer, je reprends son expression, au butin, à la prise du butin. Elle est évidemment à terme désastreuse pour l'Italie fasciste. C'est une guerre qui n'est pas courte, mais c'est une guerre qui va être longue. C'est une guerre qui n'est pas localisée, mais c'est une guerre qui va être mondiale, où les Italiens, les soldats italiens, vont se battre dans les Balkans, vont se battre en Afrique du Nord, vont se battre dans les plaines de Russie et du Don, en Ukraine. Et en fait, la poursuite de la guerre va faire que l'Italie se retrouve en guerre, y compris contre les États-Unis, parce que Mussolini déclare la guerre aux États-Unis le 11 décembre 1941. Donc, si vous voulez, le 10 juin 40, Mussolini imagine une guerre courte, victorieuse et localisée. La guerre fait qu'elle est longue, mondiale, et qu'elle tourne au désastre. Parce que au printemps 43, c'est le désastre. Les Italiens sont, avec les Allemands, sont obligés de capituler en Tunisie. Dans la plaine du Don, vous avez, après l'offensive soviétique sur Stalingrad, 80 000 soldats italiens qui disparaissent en quelques semaines. Il y a 80 000 prisonniers. Donc, c'est absolument catastrophique. Le 10 juillet 1943, les Alliés débarquent en Sicile. Donc, ça provoque la crise finale du régime. Mussolini est renversé, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais il est renversé par les hiérarques fascistes et par le roi, après la séance du Grand Conseil dans la nuit du 24 au 25 juillet, Victor Emmanuel III demande la démission. Alors, pour les Italiens, cette nouvelle est accueillie, il faut bien le reconnaître, avec plutôt enthousiasme. L'État fasciste s'effondre sans résistance. Et vous avez des manifestations de Liesse, dans beaucoup de villes italiennes. Seulement le problème, c'est que, pour les Italiens, la chute du fascisme, c'est la fin de la guerre. Or, c'est une cruelle désillusion. Ce n'est pas la fin de la guerre. Hitler, dès qu'on annonce l'armistice, occupe la péninsule. Vous avez d'une part les Allemands et les Alliés qui se battent sur le sol italien. Vous avez une République sociale italienne créée par Mussolini qui a été libérée par les Allemands, qui est totalement alignée sur l'Allemagne nazie. Vous avez des partisans, ce qu'on appellerait en France des maquisards, qui se constituent dans les zones montagneuses pour résister à la fois aux Allemands et à la fois aux fascistes de la République sociale. Vous avez un peuple qui essaye de survivre dans les conditions difficiles. Vous avez une institution qui tient la route, c'est l'Église. L'Église en Italie est à peu près la seule institution qui véritablement tient la barre, parce que la République sociale est totalement alignée sur l'Allemagne. Quant au gouvernement royal qui s'est réfugié dans le sud, il est sous contrôle des Alliés. Donc, si vous voulez, vous avez deux États, je dirais pas fantoches, j'exagérerai, mais deux États sous contrôle. Donc, l'Église apparaît aux yeux des Italiens comme l'institution, finalement, la plus solide pour la période. Et puis, vous avez des partis politiques qui commencent à se reconstituer. Vous avez, avant même la fin de la guerre, un parti
socialiste, un parti communiste, un parti démocrate chrétien, qui recommence à une vie politique, parce que au moment de la capitulation du Troisième Reich et de la mort de Mussolini, qui est exécuté sommairement le 28 avril 1945, l'Italie est à reconstruire. C'est qu'après 1945, il faut reconstruire un pays sur le plan moral, politique, économique, international. Ce qui fait que là s'ouvre une période passionnante, c'est celle de l'après-guerre, mais de la reconstitution d'une démocratie.